Madame Larson, curateur du musée, donc curateur on dit, conservateur du musée de d'Ardensville, a suspecté son mari Bill d'infidélité. Elle a besoin de votre aide pour trouver des indices qu'il a laissé derrière lui, parce qu'elle soupçonne qu'il a eu rendez-vous à l'Alice Dinner et au Capitaine. Voilà, à l'auberge du Capitaine. Une fois que vous avez assez d'évidence, revenez nous voir. Frère, ça c'était pas le Capitaine. Hein. Bon, on va aller dans les trucs qu'on connaît. Lemon. Lemon, c'est un citron. Coconut. 3 ducks. Là, il y en a un. Là, il y en a un. Une glande pastèque. Qu'est-ce qu'ils appellent une lampe à steak? J'ai vu la tarte. Ouais. Un lion. Un lion. Un bulldog, un lion. C'est pas ça, Lemon. Hein. Très bien, d'accord. Une lampe à steak. Voilà. L'horloge à steak, d'ailleurs, une lampe. Tree type signature. Ça veut dire quoi? Signature à trois temps. Bulldog. Un lion. La signature à 3 temps, je vois pas. Le lemon non plus. Non plus, tu me diras. La coconut, par contre, je la vois. Une signature 3 temps. Ou 3 signatures, peut-être. Lemon. J'ai pas utilisé un indice sur ça quand même, si. C'est simple, Lemon. Purée. Alors par contre, Treetime signature, montre-moi ce que c'est. Ah d'accord. Quoi? C'est des fractions? Là, c'est compliqué. Là, j'avoue, j'ai bien bugué, quoi. On reviendra. Voire pas. Une coquille de... d'escargot. Attends, il me faut des bouteilles vertes déjà. Une pelote de laine. Une bouteille de poison. French horn, une corne française. C'est quoi French horn?
Un corps français, d'accord, ok, très bien. Ça ne m'aide pas du tout. Putain, mais même Google m'aide pas, même Google peut pas m'aider. Ok, je sais ce que c'est. Une coquille d'escargot. Ça y est, je suis en train de péter un plomb. J'arrive plus à me concentrer. Putain. Ça, attends. Allez, on se reconcentre. Player, c'est une pince, c'est ça. Donc il ne me manque que une coquille d'escargot. Vérifier que c'était bien ça. Je sais pas. Perdons pas de temps. Une boule numéro 8 au billard. Un ventilateur. Un papillon. Une balle de tennis. Slice of pie, une part de tarte. Une part de tarte. Putain, ça devient drôle. Là, j'arrive même plus à réfléchir. Ok. Un ventilateur ? Ouais, c'est pas un moulin, c'est pas un trix. Bah, on sait jamais. Un débouche. Voilà. C'est quoi un crank ? C'est une manivelle, un vilebrequin. Une boule 8 et une cloche rouge. Une cloche rouge. Une cloche rouge. Deux as. Cinq grenouilles, putain. Un gland. Oh la vache, c'est dur là. Qu'est-ce qu'ils appellent Billy Club? Putain, qu'est-ce qui... C'est quoi tout ça? Ça veut rien dire. Une matraque. Des grenouilles.
Plunger, je crois que c'est un débouchiote. Non, c'est un piston, ok, je suis complètement con. Ah bah, je sais même pas ce que c'est. Une télé. Icoris, c'est quoi? Du réglisse. Il me faut des as. Enfin, il me faut des piques, pardon. Il me reste deux grenouilles. Non, une grenouille, il me reste. Deux piques, putain. Mais la musique, elle prank, genre. Trop long, trop long. Une cloche. Deux chats. Red light. Une clé à molette. Un sceptre. Un bâton pour marcher. Et des gants. Un ail. Et une canne pour marcher. Voilà. Ça au moins c'est bon. Cet endroit là il est fait. Captain Zin, c'est là où on a le plus. Il me faut un deuxième pic. Il me faut un pic. Du réglisse. Ou. Et un piston. On va savoir ce qu'ils appellent un piston. Ou une ventouse. Ouais, moi c'est une ventouse, je pensais. Ah non, c'était une ventouse. Ah, vas-y, un piston. Du réglisse. On est d'accord que le réglisse est genre noir. The 8... Putain, 8 ball là. Ok. Red Bell, putain. Je cherche tous les endroits avec un peu de rouge, mais waouh. Poivron rouge. Poivron rouge ou cloche rouge. Trois minutes, ça fait chier. Oh, je vais pas perdre quand même. J'ai le puzzle après, chier.
Allez, je suis mort. J'arriverai pas. Putain, j'ai vu la cloche. Ouais, c'est bon. Speedrun. Je suis mort, j'arriverai pas, je vois pas. Tant pis. On va recommencer. C'est pas grave. Non, j'arrive pas. J'arrive pas. C'est trop dur. Putain, je penserais pas que j'avais foiré, tu vois. Il te redonne même pas les mêmes trucs. Ouais, tu vois, c'est d'autres trucs. Ok. Vas-y. Tomate. On va faire dans l'ordre. Robot. Le réglisse, elle va... va te faire voir le réglisse. Spoon. Three clubs. C'est ça qui s'appelle le club. Une souris. Trois horloges. Une cuillère. C'est une grosse cuillère. Mais il est où? Je vois pas la... Elle est là. J'allais dire, je vois pas la cuillère. Licorice. Putain, mais je vois pas ce que c'est les réglisses. Hein. Vas-y, tu sais quoi? Putain, c'est ça la réglisse. Ok, vas-y. Next. Un endroit que je connais bien. Genre, bah, la clock shop, je connais mieux. Paintbrush. Ça, c'est juste baisse. Une épée. Un rooster. Putain. Je me concentre pas. Une loupe. Une loupe. C'est quoi bronze bootise? Des chaussures en bronze, d'accord. Une broche. Let's go. C'est bon, on va y arriver. Oh, Alice Dinan, on commence à connaître. Red Bell.
free whisk. Tennis ball. Une fleur. C'est quoi, fille de LED? Une épingle? Tiens, attendez, j'ai un truc devant le. Ouais. Canne. Une fleur. Flower. C'est quoi whisk déjà? Des fouets. Une cuillère à miel. Des fouets. Bon, je me casse. Ouais, ici je connais par cœur. Trident. Zipper, c'est ça. Une plume. Les gants. Une boule de billard. Une clé. L'encrier. Les plumes. Drumstick. Ici. Cassons-nous. Le barbershop, normalement, on connaît aussi. Si tout va bien, on devrait s'en sortir. Cinq paires de ciseaux. Voilà. Une libellule. Une cuillère. Une libellule? Putain, mais... Bon. Une banque, un fouet. Putain, je suis aveugle. Je fais le 100%. Putain, bien joué.
Go. Oula, oula, oula le cul. Ban Twitch ça. On y est. Ban Twitch pour un dessin. Il veut juste graille, hein. Il s'en fout. Hein. Il sort pas avec une, nona, avec une autre nana, il veut juste graille. Votre damsel. Chérie, je mange plus. J'ai faim. Il lui a dit comme ça. Quand tu vas cuisiner, cuisine, j'ai faim. J'ai encore faim. Bravo détective. Très très bon agent Sherlock. Très très bon travail, putain j'arrive plus à parler. J'ai retrouvé une photo de Bill Larson avec en train de manger un sandwich au poulet. Il a un problème de bouffe. Mais au moins sa femme sera contente de savoir qu'il n'a pas brisé ses vœux. Oh, je m'appelle. Je suis Bird Dog maintenant. Ça se fait une heure et demie qu'on joue. Ok. Huntsville Fire Station. Putain. Trois clés. Clique dessus au moins. Trois clés à molette, une ampoule, un fer à repasser, le son, une coquille. Comment je traduis Pix? Une pioche, hein. Un poisson. Light bulb. Ici, putain, j'arrive pas à voir. Un fer à repasser. D'ailleurs, j'ai toujours. C'est une pince, je crois. Pliers. La musique elle commence à partir là. Pile quand je dis ça. Ça s'arrête. Un fer à repasser. J'ai du mal avec le fer à repasser, la clé et la pince. T'as la wrench, t'as la pince. Elle est où là? C'est ça? Non, ils sont pas aussi cons, je crois. Elle est là. Et allez, on se casse d'ici. Salut mon pote. Collier de perles. J'arrive plus à cliquer. Crayon. Bah. Bah,
crayon. Ça, ça c'est pas un crayon, mais ça s'en est un. Allez, vas-y. C'est vraiment pour essayer de t'avoir. Closette 6 heures. Une fourchette. Ah, ils sont ouverts ceux-là. Moi, c'est la fourchette là qui m'intrigue. Ouais. Oh bah non. Bon là on va aller dans un endroit qu'on connaît. Deux lézards. Deux haches. Un lion ailé. Il y a un hourglass ici. Ah oui. J'allais dire, il y a un hourglass ici, mais oui, oui. Et donc, un rouleau à pâtisserie, il est là. Voilà. Je commence vraiment à déconnecter. Hein. Mais je tiens. Une couronne en or. Trois soldats. Un piment. Une clé. Un bateau. Un poisson. Un chapeau romain. Il clique pas au bon endroit le mec, il clique pas au bon endroit. Une couronne dorée. Un piment, putain, un piment par contre. Il est là le piment, putain, waouh. Et la clé hein. Écoute la clé. Let's go. Je vais dire la clé, on repassera, mais non, non, la clé elle est là. Allez, Toysland. Tipote. Deux fans. Il est où le deuxième fans? Des cowboys. 8 cowboys, hein, il veut. Hein. Il y a trop de cowboys. Un cowboy ça. Spinning top. Un cheval. Il y a encore des cow-boys. Un stylo. Putain, mais il y a encore des cow-boys là dans la game. Il faudra me dire si c'est un cow-boy. T'as par contre le stylo cauchemardesque là. Merci petit robot. Un cowboy et un mixeur.
Mais il doit bien y avoir un cowboy quelque part. C'est lui. Putain, oui, là. Un mixeur. Putain, oui, bien joué. Allez, hop. Il me faut une fourchette. Ou les ciseaux fermés. Alors la fourchette ou les ciseaux? Ou bien alors? Les deux! Hep 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 hep! Il était où les... Ok, bien joué. Chut. Ok, donc là on a un espèce de peintre, un faussaire. J'ai même pas lu l'intro de la case, je suis en train de me rendre compte. Attends. Exactement. C'est des trucs en mode... Les peintures sont fake. Putain, on a la moitié du jeu. Même pas. Tiens, on n'est pas parti. Hein. Bon, je serais peut-être en deux fois du coup. C'est bon, on l'a arrêté. On a arrêté le mec qui vendait des fausses œuvres d'art. Ah, l'officier avait un curieux emblème sur son truc. Ah, apparemment, il y a quelqu'un qui accoule les emails. Il va falloir qu'on l'arrête. Allons dans un endroit qu'on connaît bien, ici. Allez. Une encre ? J'avais jamais eu encore une encre. La difficulté se relève, j'ai l'impression. Une encre et un saxophone. Putain, l'encre, j'avoue. On n'a jamais eu l'encre. J'avoue. Mieux déjà. Un peu plus à l'aise. J'ai un chouïa plus à l'aise ici.
deux yeux de verre. Un chapeau. Une couronne. Une petite souris. Une couronne et une petite souris. Ça se trouve, ça. Elle était où, l'autre horloge fondue? Parce qu'il y en avait une là. Et une, voilà, là, merci. Un parcmètre. Et une couronne. Voilà. Parfait. Café d'Ivan. Bon, on commence à connaître ici. Hein. Par contre. Il faut 2-4. Un os. Une tortue. Drumstick, c'était où déjà? Je me rappelle plus. Il manque un 4. Un os? Un os? Un os? Bah il manque l'os, hein. Bah écoute, on reviendra. Non, 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 non. Je préfère. Des allumettes. Un appât. On a une canne à pêche carrément. Grapes. Une lyre, une canne à pêche. Two paper clips. Il est où le deuxième? Putain, il est là. Pawn handset, je sais pas ce que c'est. C'est un kit main libre? Un combiné téléphonique. Pardon. Allô? Oui? Phone handset, putain, je connais pas. Je sais pas où il est. Je sais pas où c'est. Putain, c'est chaud là. C'est chaud. Bah, je commence vraiment à décrocher après si l'on arrête. Ce jeu, j'arrive plus. Simplement. Là, je connais même pas ce que c'est, Valentine. Un Valentin, ouais. Panneau stop. Porte hall non plus. Hein. Un hublot. Trois lanternes.
un muffin et une lanterne. Une lanterne ? Je retourne là. Trois plumes. Les autres jeux aussi, le temps est plus long, je crois. Deux carottes. Excusez-moi. Une scie. Un 7. Deux cordes. Deux vieilles voitures. Une scie, putain. Une cuillère. Flywaster, c'est quoi? Une tapette à mouche. Une corde. Et une cuillère. Une corde et une cuillère. La corde. Une scie. Et une plume. On a du temps, on a du temps. On reviendra. Faut que je trouve une allumette, une lyre et une canne à pêche. C'est quoi des cranks? C'est pas ça les cranks? Si c'est ça. Fishing rods. Une canne à pêche? Putain, mais une canne à pêche quoi? Une plume. Manque feeder veut dire autre chose. Non, non, ça veut rien dire.
Ça veut dire plume, c'est tout. J'ai le cerveau qui va exploser, hein, je vous le dis. Ça fume. J'ai du en fait, le pire, c'est que j'ai du temps en plus, hein. Vas-y. Voyez, il suffit que je me concentre. C'était sous ma web... Pour ma défense, c'était sous ma webcam. Ils ont tous ce logo là, le logo avec la tête de mort. Les méchants. Je sais pas qu'on joue après, mais on va y jouer. Faut un jeu qui réveille un peu. Ça, ça endort bien. Je vois ça avant de dormir. Ça marcherait du feu de Dieu. Allez, Busted! Bien joué, Agent Charlax! Vous avez craqué la case! Vous avez résolu l'affaire! Apparemment, ce serait Eugène Niedmeyer qui a filtré les boîtes mail et découvré. Votre génie vous a apporté un nouveau rang. Ah, bah oui, il y a Razor, bien sûr. Je me fais avouer. Attendez. Mon jeu bug. Razor salaud. Écoutez, on va arrêter là. On prend la suite la prochaine fois. J'espère que ça vous aura plu. Je vais vous souhaiter à tous une bonne journée, une bonne soirée, une bonne vie. Au revoir et à la prochaine.